Salut tout le monde, bienvenue mesdames et messieurs, nouveau petit vlog incroyable, et oui, c'est une folie, vlog particulier, puisque c'est un vlog qui va parler de la ZLAN, puisque voilà, pour ceux qui ne suivent pas trop, j'ai eu la chance d'être tiré au sort pour participer à la ZLAN et tout, donc voilà, nous sommes actuellement le jeudi, la veille du début de la ZLAN, donc il y a eu un bon petit mois d'entraînement pour la ZLAN et tout, pas parfait, je suis pas très bon sur tous les jeux, mais j'ai un niveau à peu près moyen partout, donc je pense que ça sera pas mal pour que je puisse profiter et m'amuser un max, bref. Je vous embarque avec moi évidemment pour cette aventure très certainement unique. Je sais pas à quoi m'attendre là actuellement. Écoutez, il est 1h30 du matin. On est jeudi. La ZLAN commence vendredi à 18h30. Et je vais essayer de filmer un maximum de trucs. Je vais être accompagné de mon acolyte de toujours, Dracades. Donc Quentin, bien évidemment, qui sera là tout à l'heure demain. Voilà, donc actuellement à Strasbourg. Et la ZLAN, c'est à Lyon. Donc il va falloir y aller et tout. Enfin bref. Donc là... je suis encore en train de m'entraîner un petit peu, je peaufine 2-3 jeux et tout, que j'ai pas pu encore trop train, mais ça va. Il faut que j'installe encore le setup sur le PC portable pour streamer, tout ça. Enfin bref, voilà, pas mal de boulot, du blabla, tout ça. Mais en tout cas, c'est parti, let's go pour la ZLAN. Et on se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau plan séquence. Ok. Bon, eh ben j'ai préparé ma valise, il y a tout dedans, GoXLR, micro, clavier, souris, écran, tout le bordel. J'ai pu tout faire, tout mon sac, il me reste 2-3 trucs à remplir et tout encore. Mais voilà, ça fait un peu vide, je pense qu'en vrai ici, quand je reviendrai de la ZLAN, je referai mon setup en vrai, le cable management et tout. Parce que c'était un vrai bordel, donc c'est cool, c'est au moins, si jamais je perds, bah, j'aurai cette excuse-là, qu'au moins ça m'a servi à refaire mon setup. Mais voilà, en tout cas, plutôt cool. Il est actuellement, donc on est le lendemain du rush que vous avez vu juste avant. Il est 12h45. Draka vient me chercher chez moi vers 14h. Donc là, j'ai fait ma valise de gaming. Je pensais pas que j'avais besoin de la valise pour tout mettre. Mais bon, vu que je prends les deux écrans, il va falloir que je prenne la valise. Et je prendrai mon sac de sport à côté pour mes fringues. Voilà, donc au final, je vais être pas mal chargé. On va pas se le cacher. Heureusement qu'on a une voiture, du coup. Mais voilà. En tout cas, c'est imminent. Le départ est pas mal. Je me suis entraîné ce matin un petit peu. Je finis 3 maps sur 4 sur Garry's Mod alors que j'ai commencé mon entraînement hier soir. Bon, c'est pas parfait, mais j'y crois. Et puis voilà, j'ai setup OBS et tout ce matin. Les overlays pour le stream sont magnifiques. Genre, ils nous ont fourni tout un pack de streamers pour OBS. Et il est juste incroyable. Je vous montrerai ça du coup. Bah, vous verrez ça en live. En vrai, j'ai pas besoin de vous spoiler quoi que ce soit. Mais voilà, donc on est parti. Messieurs, dames, la ZLAN. Je vais un peu chill, regarder la télé, regarder les petites vidéos pour Shootmania. Et voilà, bref. Super, parce qu'il pleut. Et c'est vraiment genre pas beau du tout. Je crois que ça se voit pas trop à la cam en vrai. Tu filmes là? Ouais. Tu auras l'audio de ce que je viens de dire. Il y a l'audio, mais je pense que je mettrai de la musique à la place, tu vois. Non, tu fais de la musique. Oui. Mais du coup, tu auras un making of ou tu as l'audio. Oui. Ou N-word, tout ça. Vas-y, balance. Hop là, tu vas pas me dire celui-là. Dracades, j'écoute. Les potes, on est là, on est installé. C'est complètement con de faire ça. C'est quoi, mon avis? Complètement con. En fait, ils sont plus sanguins, tu vois. Genre, ils sont plus. Parfois, t'as 2 minutes pour. Du coup, voilà, on est là, on est au premier rang. Et là, il y a le setup qui est tranquille. Et le voisin est sympa. Et le voisin est très sympa. Oui. C'est une dinguerie parce que quand je suis rentré dans cette pièce que vous avez vue juste avant avec toutes les pancartes de tous les streamers et tout, je me suis vraiment dit mais c'est une dinguerie, il se passe vraiment quelque chose. J'ai tellement rêvé de participer à la ZLAN, le fait de juste de rentrer dans cette pièce le jeudi soir pour préparer son setup et de voir tout le monde, l'événement, l'ambiance et tout, j'étais comme un enfant parce que c'était vraiment un petit rêve qui se réalisait pour moi quoi. Donc c'est pas qu'un petit, c'est quand même un gros rêve de participer à la ZLAN. Du coup c'était vraiment cool de pouvoir réaliser tout ça et d'avoir toute cette retombée d'un coup en mode waouh, bah ça y est, c'est fait en fait, c'est incroyable, on vit l'instant. Bonsoir à tous, il est donc vendredi, il est le matin.
nous sommes dans la chambre d'hôtel. Et donc, hier soir, on a pu installer le setup et tout, et découvrir la salle qui était incroyable. J'ai essayé de filmer 3 trucs, mais j'étais un peu intimidé, donc voilà, mais c'était incroyable. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça va être retest un petit peu le setup et briefing pour l'event. Et puis, bah, à 18h, lancement du truc, quoi. Voilà, donc petit programme. Et on est parti, en fait. Voilà. C'est nul ça. C'est pas grave. Moi j'ai rien vu. On a rien vu. Avec les petits pains sur le côté. Ça y est, c'est le début, c'est le lancement de la ZLAN. On commence tout de suite avec Minecraft. J'ai passé un temps de fou à m'entraîner sur Minecraft. J'ai à peine eu le temps de lancer mon live au début de la ZLAN et ça partait déjà. Pas le temps de faire du pré-live, pas le temps de dire bonjour et tout. C'est on lance le live et ça lance la run Minecraft. Et clairement, c'est incroyable. C'est parti les On va dire que c'est bon. C'est moins bon par contre. J'ai pas de lave là, c'est que ça. Bien sûr ça par contre. Je vais mourir sur ça les potes, je vais mourir sur ça. Je trouve pas de lave, je panique. Pour l'instant. Elle me touchait. Ça se voit que je stresse un peu là. Tu stresses quand même là les potes, j'avoue que je ne suis pas très bien. Voilà. Non, on s'en fout de la source d'eau, moi je veux de la lave. Oh la vache, putain. C'est si dur. Oh la vache, la pression de fou, vraiment. J'étais tellement stressé. J'étais tellement stressé à trouver ce lac de lave pour pouvoir passer tout simplement à la deuxième étape, qui est d'aller dans le Nether, de trouver les Blaze Rods, les perles et enchaîner le speedrun. Là, j'avais perdu tellement de temps. Je m'étais tellement entraîné à faire ce parcours, de trouver du fer, de trouver le lac de lave et tout. Là, j'étais paniqué. Mais ça va, on peut enchaîner maintenant. On n'a pas trop perdu de temps non plus, c'est pas dramatique. Donc c'est parti pour la partie de Nether. Pas sur le bon bouton. Ok, j'ai les perles. Génial. Écoutez, on va la faire smart. Alors que peut-être.
J'ai base rod, je m'en fais une de plus au cas où. Faut que je foire ça. Ok, c'est parti. Forcément, du coup, quand on fait ce genre de move, c'est un peu de la merde, quoi. C'est un peu de la merde de pas savoir poser un portail de l'end du Nether. J'ai l'impression de pas m'être entraîné à Minecraft, là, c'est terrible. Alors que c'est mon jeu. C'est my game. C'est terminé, mesdames et messieurs. C'est totalement terminé. Désolé d'avoir vous avoir fourni une perf si mauvaise, parce qu'apparemment... Le lac de lave était à côté du village. Et ça, franchement, c'est pas terrible. Je fais n'importe quoi, les potes, là. Cinquième, 27ème. Allez. From nulle part ou peut-être quelque chose. Rebondis bien, s'il te plaît. Oh la vache, bah non. Après Minecraft, après Trackmania, il y avait une petite épreuve, une troisième épreuve en partir en jeu en équipe. C'est l'épreuve du puzzle qui est juste là d'ailleurs là. Hop là, le petit puzzle qui fait plaisir. J'ai pu garder le puzzle d'ailleurs, donc vraiment chouette, très très content. Mais on n'est pas là pour chill, effectivement. Donc le puzzle, on avait 30 minutes pour faire le puzzle, c'est un puzzle de 100 pièces. Donc effectivement, il y avait que 30 minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai pas l'habitude de faire des puzzles, donc j'ai... Ouais, je suis un peu un galérien, on va pas se le cacher. Et ce qui se passe, c'est que j'ai réussi à faire le puzzle au bout des 30 minutes tout pile. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que pour valider le puzzle, on était une pièce à côté de la Zilan, enfin de la pièce où on avait les PC. Et donc, il fallait sprinter de la pièce d'à côté jusqu'à notre PC pour buzzer sur la barre espace. Et il y avait un logiciel qui tournait pour en gros valider notre temps. Sauf que du coup, bah, ce temps où il faut courir, bah, il faut le prendre en compte. Donc effectivement, j'avais fini le puzzle au bout des 30 minutes. Sauf que bah, il me manquait les 20 secondes pour courir. Donc... Vous allez voir de toute façon ce qui se passe. Donc là je passe sur si on va me voir, mais moi je suis vraiment tout à gauche là. Je suis vraiment tout à gauche. Attendez, je vais voir du coup mon sprint. Au bout d'un moment j'ai FF, mais... Ok, on va tenter. Ah ouais, on me voit là. Ok. Là je suis là. Boum. Et là regardez, là je remplis les trous. Et là, on va me voir courir peut-être. Ah bah non. Le PNJ. Oh. Le PC. Oh vraiment, là j'étais... Je vous refais la scène, c'était en mode... Oh putain de merde, quel connard. J'en pouvais plus. Alors comment ça va, Dracades? C'est plutôt à moi de te poser la question. Comment ça va, Antoine? T'en penses quoi de mon Minecraft? T'as aimé mon portail ou pas? Alors, en fait, alors y a un truc que tu sais pas. Tu vois le village? Ouais. À l'est, il y avait une énorme flaque de lave. Ok. Ça, on l'a su, moi qui parlais et tout. Ouais.
très 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 drôle. Ah bah moi j'étais dans la mine en mode je suis mis de l'eau, en dessous, j'étais en mode j'en pouvais plus. C'est super. Oh ouais, c'est bien. C'est bon. Bah ouais. Franchement, avec le PB Minecraft éclaté que t'as fait, j'ai fait un top 60 sur Minecraft. Ouais, mais c'était éclaté vraiment. Franchement. Bon, alors, en vrai, le portail, t'aurais jamais trouvé le Stronghold. Il était vraiment loin. Et en fait, genre, la seule forteresse que t'as eu, c'est ça qu'on a pas très. T'as combien, mon cher? Oui. 83. Pas mal. Et toi? Bah, moi, en gros, Minecraft, tu sais, j'avais dit que j'avais pas traîné le jeu. Ah, j'ai fait aucun checkpoint. Ah merde. Donc j'ai fait top 140 là, je crois. 140, ça se remonte. Faut que tu te focuses et tu fasses abstraction du chat, concentration x 1000. Ouais. Ouais, carrément. Complètement, il faut que je fasse totalement abstraction et il faut que je me concentre à fond. Parce que là, Valo, ça va être important. Si je suis mauvais, il faut vraiment que je joue bien. Parce que si je suis mauvais, ils vont vouloir me kick. Donc, il va falloir bien jouer. Et là. Ah oh, putain, merde. Attends, Philippe, ça avance. Morte. Bien joué. Elle est là. Les derniers sont longs. Ouais, vas-y, tu peux des armes, je l'ai. Vas-y. Je l'ai. Ah, c'est bon. Bien joué. Ah ouais, je les gars. Let's go. Carré, ça. Carré. Carré. Putain, on est là. J'étais nul. J'aurais dû leur vision. Oh, on a plus de temps. Oh merde. Tu vas. À droite, toi. Dommage. J'avais pas FPS. Il en a combien? 30 secondes. Et là, le spike au mid. Dommage. Ouais. C'est pas si souffle. Mort de devant. Ah. Putain, je l'ai pas touché. Morte. Ouais, j'arrive. Attendez, fouillez-les à trois. Ah ouais. Ok, j'ai radis. Oui. Ouais, ça passe en fait. Solidé. Ah ouais, ça. Ah ouais, on l'a fait en écho. Hein. On l'a fait en écho celle-là. Ouais, let's go, les gars. C'est vrai qu'on les a défoncés en écho, let's go. Ah ouais, c'était propre. Non, surtout pas. Ouais. Je fais tout ça vous êtes. Rena longue. Je suis fait en lavage. Oh, j'ai eu. Spike. Là. Aucun ennemi. Oui. Oh, mais c'est beau ça. Bien joué. Bordel. Je fais un bait là. C'est smoke devant vous. Regardez à droite et à gauche et tout. Ah non, deux. Porte. Je plante. Vas-y, je te cover. Je vais garage. TT. C'est bon. TT. Bon, ouais. Let's go. Vas-y, on y va. Ils ont pas chaussé, hein. On est pas, on est là. Hop, on peut planter. C'est smoke, il a pris les dégâts. Ça arrive, Chope toujours. Dernier joueur. One! Oh. What the fuck? Bravo! Il est mort, let's go. Faut poser. On pose, tranquillou. Regarde. Là, je fais le fou là. Bien joué. Toujours dans le bac. Garage. Let's go. Encore un. Non. Garage. Un qui arrive CT normalement. Refroidissement. J'entends garage. Oui. Mais voilà. On continue. Wow. En vrai. Hop, oh, tranquille.
vous ne tuerez pas mes alliés. Oh non. Je vous promets rien les copains. Ça va le faire, ça va le faire. Fais que censura. Je lance une grenade à I5. T'as pas de mettre les deux direct je pense. On revient. C'est déjà là, c'est déjà là. C'est déjà là. Reviens, reviens, reviens. Attends, mais j'ai bon. Ah oui. Ça fait du bruit, ouais. Aucun ennemi. Barre-toi, barre-toi. Comment? Oui, non, 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 non. Oh mon dieu. Mon... Oh mon call de merde. J'ai... Tire l'œil, tire l'œil. J'ai vu ses pieds en même temps, c'était compliqué. Oh mais celui-ci, c'est fini. Garage. Grenade aveuglante. Grenade de plus CP. Oh non, non. Oh, let's go, let's go. Ouais. Mais donc, c'est, bah, c'est pour en fait la caméra soit pas. N'y allez pas tous. Il y a un qui va P. Ouais, qui joue, qui joue. T'aurais dû rester chance. Peut-être ça rotate. Ah, quoique. C'est flash, c'est flash, c'est flash, t'es bien. Bonne mort. Je l'ai, je l'ai. Très bien joué. Ouais, double porte. Faut content. Ouais, ça va bien, hein. Ouais, il sait attendre. Hein. La dernière fois, il s'attendait de ouf. Go, go. On peut faire slow, on attend. On attend genre peut-être 10-15 secondes et puis après on rush double door. Non? Ouais, je pensais exactement à ça. Allez. Ça me paraît. Mais on attend vraiment. Ok, je me dirige vers double d'or, je vais pour flash. Y'en a un. Soyez pas pour moi. Très bien. 380 longue. 380. What? Bien, c'est le bon play. GG. GG. Let's go! Let's go! Bien joué! Putain! Bien, wesh! Wow. Comme ça, quoi! Du bien! Quel game de taré, quel game de taré sur Valorant, vraiment encore à ce jour, hein, c'est ma game favorite de toute ma vie, hein, vraiment, cette game de Valo était tellement dure, mais on l'a quand même fait, on a gagné, c'était serré, mais on a gagné, c'était formidable. Maintenant donc, c'est presque la fin de ce premier jour de Zilan, et je vais pas forcément tout vous montrer, mais on a eu une dernière épreuve, vu qu'on a gagné l'épreuve en équipe, on n'avait pas besoin d'éliminer un joueur, et donc la dernière épreuve se jouait à 4 au lieu de 5, donc... je n'ai pas joué, j'ai spectate en fait le dernier jeu qui était Power Wash Simulator. Le but du jeu était de nettoyer la carte le plus rapidement possible face à une équipe adverse. Donc nous, on pouvait y jouer tranquille, même en perdant, on n'éliminait personne. Donc tout va bien, on était vraiment large pour finir cette soirée. Et voilà, globalement, cette première partie de la Zilan se termine ici, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir aidé la vidéo. Il y a une deuxième partie qui arrivera, que je sais pas quand. Deuxième partie qui devrait quand même arriver dans quelques temps les amis, mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, moi je me suis amusé à faire le montage en tout cas et je pense que la deuxième partie va être très très chouette aussi. Merci beaucoup, on se retrouve très vite pour la partie 2 de ce vlog Zilan, j'espère que ça vous a plu, des gros bisous Stéphanix, et à bientôt, abonnez-vous et mettez un commentaire aussi, voilà.